La fondation Prophète Joël Crasso organise la deuxième édition. C'est la deuxième édition des Arbres de Noël dans le Dubois. Ici, c'est la région de l'Ordre Dubois. Et pour nous, il faudrait évangéliser les enfants qui sont sur la relève. Il faut s'investir en eux. Ça dit Dieu. Si nous n'évangélisons pas nos enfants, il sera difficile pour eux d'expérimenter la crainte de Dieu. Et la Bible déclare que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Voilà, donc la première édition a eu lieu à Bro. Et puis à Zaroko. Donc pour moi, à Zaroko, nous avons fait 1000 jouets à Zaroko. Et nous avons organisé une compétition de football. Les deux ensemble. C'est pour ça que vous voyez, cette fois-ci, un trophée. Ici, ça a mis la deuxième édition du trophée Joël Crasso, c'est le prophète Joël Crasso, la deuxième édition, inter-village. Pourquoi? Parce que pendant les fêtes de décembre, nous sommes en train de faire un travail dans cette région, permettre aux jeunes d'aimer leur village. Voilà, d'aimer leur village. Pendant les fêtes de Noël, les gens tellement peur d'aller fêter dans les villages parce que c'est pendant cette période-là que c'est les sorciers mangent. C'est vrai que ce combat que nous menons dans cette région, et en même temps, nous sommes en train de préparer une jeunesse prête, n'est-ce pas, à apporter le développement dans sa région. À ne pas avoir peur de son père ou sa mère, ou à ne pas avoir peur de son village. Sinon, qu'on allait organiser l'édition ici à Bigo. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les évangélisations des villages. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, comment évangéliser les villages, comment amener la jeunesse à ne plus avoir peur de ce mal qu'on appelle la sorcellerie. Donc, autour, il y aura la deuxième édition cette fois-ci à Bro. C'est pour ça que vous voyez ici. Ici, on dit hâte à la sorcellerie. Ici, ils ont mis village de Gros pour Jésus. Voilà, village de Gros pour Jésus. Il y aura compétition de football. Ça, c'est le premier. Voilà, le premier, le deuxième. Voilà. Gros à Jésus. Donc, Zaroko, Gogo, tout le monde invité à Zaroko. Il y aura, n'est-ce pas, hâte de Noël. Et je dis merci à cette sœur. Elle ne voulait pas que je parle d'elle, mais je suis obligé de parler. C'est José, c'est quelque chose derrière, c'est qui se cache. Il ne va pas te cacher longtemps.
celle qui a offert 5, elle a offert 1000 joueurs. Nous avons reçu déjà 500 jouets aux enfants. Les enfants acclament Jésus-Christ. J'en profite pour dire en même temps, c'est pour vous l'occasion de vous donner des cadeaux. Voilà. Et ceux qui sont en Europe, ce n'est pas la peine d'envoyer des jouets parce que ça n'a pas maintenant arrivé. Il suffit seulement de nous faire parvenir l'argent. Voilà, l'argent, mon nom à l'état civil, c'est Krasso Djoro Joël Shalom. Le Shalom, ça fait deux os. Krasso Djoro Joël Shalom. Vous pouvez nous faire parvenir par Western Union ou par Monogram. Voilà. Par Western Union, par Monogram, les deux. Sinon, les autres, là, les RIA, c'est pas la peine. Voilà, ben, c'est difficile souvent d'avoir accès à de l'argent là-bas. Cet argent-là nous permettra d'évangéliser ici. C'est ma fondation, nous occupons des enfants parce que, de toute façon, il y a des grands sorciers. Il y a aussi des enfants sorciers. La première édition, le verset, c'était dans Exode, le verset 13, tu ne tueras personne. Donc, on a communiqué ça aux enfants. Et désormais, si on vous parle de venir tuer quelqu'un, ça se fait vite. Non. Et nous avons organisé un festin, un grand repas, le 24. Tout le monde a assisté à Zaroko. Il y a eu 24 et 25 des grands repas de Noël et tout ça. Ça a permis à ces enfants-là, pour la première fois, de voir un papa Noël, parce qu'on a déguisé des personnes en Père Noël. Et nous avons distribué 1000 jouets. Et les enfants étaient tellement contents. Il faut permettre à certains enfants de ressentir la joie pendant les fêtes. Voilà. Pendant les fêtes. Donc, merci à toi, à José. C'est pas la peine de l'attaquer, hein, sinon tu es vaincu. Voilà. Les bonnes personnes ne les attaquent pas. Amen. J'en profite pour dire aux gens de votre région, là, vraiment faites un jour un geste. Faites un jour un geste. Amen. Quand je parle de ça, vous pensez que je suis en train de vous critiquer. Si on entend éduquer vos enfants, là, c'est pour vous demain. Ma fondation a offert 300 kits scolaires aux enfants des Aroko. Si c'est pour m'insulter, là, vous êtes premier. Si c'est pour attaquer le prophète Krasso, vous êtes premier. J'ai donné 150 000 francs. La fondation a donné 150 000 francs aux enfants quand ils entrent en cité, à ceux de Gros. C'est ça notre combat. Nous menons le combat contre la sorcellerie, mais en même temps, nous préparons nos relèves. Et ça, ce n'est pas dans la culture africaine. On met un enfant au monde, on le présente à Dieu. Comme mes parents musulmans, Dieu, c'est Dieu qui doit. Toi, tu amènes un enfant au monde, Dieu n'a qu'à venir s'occuper de lui. Hein? Ok. Il t'a donné un enfant, il va venir s'occuper de lui. Donc, il y a une relève. Il faut préparer cette génération. Et notre vision, c'est de voir demain les grands cas dans cette région. Amen. Amen. Donc, déjà, à partir du monde, à partir du 23, 24 et 25, il y aura Abbe Noël. Et vous aurez nos musiciens, tout l'orchestre au complet, sur le groupe s'élever au complet, et puis avec les artistes supprimés. Le 23, 24 et 25, il y aura un grand concert. Pendant 3 jours tous les soirs, des concerts. Et en même temps, je vous annonce aussi la sortie de mon maxi single. J'ai 2 morceaux sortis qui sont la semaine prochaine, avec déjà des spots télé et tout ça. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc, on aura l'occasion de dédicacer les CD le 24 et 25. Amen. Pour nous, il faut que la Côte d'Ivoire soit touchée par l'évangile. Il faut que la Côte d'Ivoire soit touchée. Il faut que nos villages soient évangélisés. Il faut que la jeunesse, les enfants soient évangélisés. Merci ma fille. Voilà, donc ceux qui veulent nous aider, et surtout au cadre de la région, depuis je suis là, vous ne m'aidez pas. Les dons viennent là, d'ailleurs. Les dons là, ça vient d'ailleurs. Vous voulez être là où il y a eu le prophète Krasso, qui est en train de faire un travail dans votre région, vous ne pouvez pas donner, si c'est critiqué, donnez-moi. Vous priez pour me donner. Mais je regarde bon Dieu. Voilà. Vous n'aimez pas partager, c'est pas bon. Il faut reconnaître le travail bien fait. Depuis nous sommes dans vos régions, personne ne mange quelqu'un. Vous êtes là, comment faire pour attaquer le prophète, comment me déstabiliser, c'est ce qui vous a mis comme des sorciers. Depuis je suis à Zaroko, vous ne faites plus funérailles. Donc c'est pas bon. Les funérailles d'Ida, c'est comme pour les bêtés. Conservation du corps, cercueil, il y a d'autres années, cercueil basilique, quoi encore, cellulaire. Boston, c'est pas moins de 400 000, mais c'est deux là, c'est pas moins de 400 000. Ça vient de funéraire ici, dans la région ici, là, c'est pas moins de 2 millions. Il faut allouer les bâches, les gens viennent manger. D'ailleurs, les gens sont là, c'est des pleurés professionnels. Ils mangent, il faut les nourrir. On connaît ça? Moi, j'étais choqué, je ne connaissais pas la tradition, c'est quand j'ai perdu mon père que j'ai vu ça. Il y a des femmes qui viennent pleurer, il faut qu'on les donne à manger. On ne prie pas marmite, on dépose ça.
Est-ce que j'ai il n'y a pas bien. C'est quoi ça? Je suis choqué, il dit, mais c'est ça, là, c'est pas tienne. Par là, mon affaire au funérail. Ils ont venu dire non, ils avaient dit qu'il faut donner un mouton. Oui, si, ça avait dit. Vous voulez lui donner un mouton. Dans les funérailles, là, nos funérailles, là, c'est pas moins de 2 millions. Et depuis que nous sommes dans cette région ici, les gens arrivent aujourd'hui à économiser. Parce que les week-ends, là, les funérailles, souvent, ils appellent ça panache, tonnerre, c'est qu'ils arrivent beaucoup de monde, tonnerre. Tonnerre, c'est qu'ils sont funérailles, des gras. Donc, dans la région, chacun cherche à manger un boss pour que ça soit tonnerre. Là, le village est nourri. On cherche femme des gens, chacun vient chercher femme. C'est comme ça les funérailles. Donc, depuis là, c'est fini. Il n'y a plus panache, il n'y a plus tonnerre, il n'y a plus quoi? Ozo. Il n'y a pas de tempo, il y a déjà tempo, il n'y a plus de tempo. Voilà, tout cela, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons cette vision de l'ONU, lutter pour le droit de l'homme. L'homme a droit à la vie, et plus que la vie. Et ce que nous sommes en train de faire dans cette zone, permettre aux gens de respirer un peu. Il y a une force que nous ne pouvons pas maîtriser, c'est la force spirituelle. Pendant que toi tu fais ton orchestre de d'or, tu rentres, on dirait orchestre de Gabriel Guini, il y a un qui rentre dans ta chambre, il suit son cerveau. Matin, tu dis ta négrette. Tu vas passer au scan, on dit, mais il a un cancer du cerveau. Tu comprends plus rien. Le gars a bu. Ton cerveau de l'omégi. C'est parti. On les appelle mangeurs d'âme. Par exemple, quand tu dis là, le matin, tu manges un garbage, un poison, ton. Et ils dégénèrent ton cerveau. Et puis les gens disent, non, ça n'existe pas. Tu es sorcier. Tu ne crois pas à la sorcellerie, c'est que toi-même, c'est sorcier. C'est pour ça que le 22, ici à Divo, ça sera organisé une conférence. Une conférence lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Chaque 22 décembre de chaque année, c'est une journée de lutte contre la délinquance. C'est vrai que l'ONU n'a pas encore pris ça en compte. Vous prenez journée de WC, journée internationale de toilettes. Mais c'était le 19 novembre, journée de toilettes. J'ai dit WC, là, j'ai sa journée. On dit pour laver WC. Qui sait pas que c'est on doit nettoyer WC. J'ai ajouté pour ça. Mais écrire spirituel. Et ça tire aux gens. Il y a une réalité ce qu'on a. Nous avons une réalité. Et si vous ne croyez pas, mais ça existe. Il y a des films, il y a des recherches. Il y a des gens qui font les recherches sur les tueurs en série. Comme ça. Il y a des crimes, des vampires. Vous pensez que c'est des choses, des imaginations? Donc, le 22, il y aura une conférence ici. Comment détruire cette présence dans nos zones? Parce que la sorcellerie met fin au développement. Là où il y a la sorcellerie, il n'y a plus de développement. C'est fini. Là où c'est combattu, vaincu, s'installe la prospérité. C'est pour ça que les blancs sont prospères. Parce qu'ils ont arrivé à convaincre la sorcellerie pendant 3 siècles, 15, 16, 17e siècle. Il y a ce qu'on appelle la chasse aux sorciers. Ils sont rentrés dans un siècle glorieux, le 18e siècle, le siècle des lumières et de la résolution industrielle. C'est à partir du 18e siècle qu'on a commencé à avoir des grandes inventions, des grands savants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là où il est combattu la sorcellerie, c'est fini. C'est pour ça qu'à Zaroko aujourd'hui, là, il n'y a pas mangé d'âme. Ils font malin, ils ne peuvent pas être bouchés. Ils ne peuvent pas manger. Si tu as mangé, hein, tu vas à Mauritanie. J'ai une ambassade de Mauritanie là-bas. Il y a un consul général, lui, il est là, il donne les visas aux gens rapidement. Voilà, donc, va t'asseoir, que Dieu te bénisse. Amen, ça c'est ton cadeau. On n'a pas fait ça pour les enfants, hein. Il y a encore d'autres t-shirts, mais ça c'est pour les grandes personnes. Voilà, donc, va t'asseoir, c'est ton cadeau en même temps. Hein. Tiens, en même temps, poupée. Prends un jouet. Faut laisser maman, hein. Je ne veux pas qu'elle soit en joie. Hein? On lui prend un jouet. Hein? Ah. C'est toi qui as choisi. Elle n'a pas joué.
Laissez-la. Elle a choisi. C'est qui son cœur veut là? Que Dieu bénisse. Amen. Donc nous attendons vos dons. Vous qui aimez les enfants, nous attendons vos dons. Voilà. Le groupe musical des gens en répétition pour un très grand concert. Le 31 décembre, ici il y aura un dîner gala. Nous allons organiser, lorsqu'on doit l'organiser ça, ça recours, ça vient. Ça nous connaît pas mal d'organiser ça, ça recours, parce que la voix n'est pas pratique. Nous allons inviter beaucoup de nos connaissances ici. Il y aura un grand dîner gala ici. Ici même, nous allons, n'est-ce pas, accueillir 2015 qui est ton année. Amen. Nous allons dire à 2015 que mon année, tu sais, 2015, je dois manger là. 2015, je dois avoir maison. 2015, je dois tout. Avec les actions prophétiques, quand il commence à être à partir de moins 15, hein, moins les cas, on arrête. Et on commence à parler à 2015. Amen. Il y aura des grandes actions ici. Amen. Nous allons accueillir 2015. On te dit janvier. 1er janvier, le 31 t'es saoulé. Ah! Yeah. Janvier! Bonne année! Ah. Tu t'es mal l'année, mais. Ah. Vous jouez avec une transition. Moi, j'ai dit aux gens, fais ça, c'est pas manger, quoi. Ou il y a quelque chose de quoi? C'est ça, tu peux faire après. Non, avec mes copines, mes manières chauffées, puis tu viens, t'es saoulé. Vous jouez ça. Maintenant, l'année, là, tu as des problèmes. Tu dis, non, l'année, elle a été difficile. Elle t'a parlé à l'année. Elle t'a préparé l'année. Elle t'a rentré en position de tes grâces. Et puis vous accusez Dieu. Amen. Nous allons parler à 2015, c'est ton année. Dis amen. Amen. Il y a des choses avec lesquelles on va jouer la spiritualité. Ton mari va venir. Il va venir, tu dis, madame, tu es ma coque. À moins que tu sois désarmé. Que ta bouche ne soit plus armée. Le bureau, vous voyez, c'est le bureau des désarmements de bouche. J'enlève arme chimique. Lance roquette. Femme n'a pas force, mais bouche, c'est poudrière. Venez, on va vous désarmer comme ça. Vous allez avoir Marie. Amen. Ah. Elle est belle, hein? Mais bouche là, il y a arme dedans. Mais c'est comme ça, mais oui, qui va marier femme ou qui sait faire guerre? La Bible dit que celui qui a eu une femme a eu le bonheur. C'est pas Wesley, on va faire ensemble. Mais tes maris, tu me parles mal. Je vais dormir, tu parles mal. Je me réveille, tu parles mal. Dégage. Ma maison n'est pas une dojo. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit, il faut que j'ai un sac de désarmement de bouche. Vous venez, et puis vous déclarez l'âme que vous avez. Si c'est âme chimique, j'enlève. Si c'est lance roquette, j'enlève. Si c'est une poudrière, ah, je détruis la poudrière. Que Dieu nous aide. Dis amen. Amen. Voilà. Il y a un élément que Dieu regarde pour ne pas donner à quelqu'un. Parce qu'il sait que si je donne quelqu'un. C'est ce qu'on ne savait pas. On ne rentre pas dans le mariage comme ça. Non, mon mari m'a chassé. Il a dit comment? Tu n'as pas parlé mal. Non, je ne sais pas, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Petit injure qu'il a donné là. C'est âme chimique. Que Dieu nous aide. Amen. Les amis, vos bouches, hein? Voilà, maintenant monsieur va venir, chérie. Quand Adam s'est levé, il dit, voici elle, c'est ma femme. Amen. Et les hommes aussi, vous devez protéger vos femmes. Ne faites pas sorcier autour de vos femmes. Vous devez les protéger. Amen. Quand tu sais que c'est elle, protège-la. Voilà, il faut te convaincre que c'est elle. Elle doit t'aider. Parce que la femme est une aide. Tu ne viens pas m'exposer, tu viens m'aider. Le jour où tu sens que tu es pour m'aider là, c'est elle. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Avoir des Ève et Adam. Des hommes prêts à nous protéger. Des femmes prêtes à nous protéger, nous aider à rentrer dans les grâces des bénédictions. La Bible dit que celui qui a une femme a eu le bonheur. La femme est une bénédiction pour l'homme. La femme a été créée pour l'homme. C'est tout.
Vous hésitez à cause des gens. C'est la vérité. Vos histoires d'égalité de sexe, moi je suis pas dedans, c'est anti-biblique. Là, où la santé de venir quand maintenant on dit faut, monsieur, madame, garçon, garçon, donc après l'amour. Égalité de sexe. Il y a un chef dans la maison. Si la femme va, je ne sais pas comment vous ne voulez pas, mais. Amen. Je vous aime tellement. Mais en même temps, désarmez vos bouches. Vos filles nous regardent les 13 heures. Entre midi et 2 là, ça gâte vos trucs. On se tient debout. Que Dieu nous bénisse. Amen. La femme, c'est le plus gros cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Elle est prête pour toi. Tu avances. Là où il y a eu des grands coups d'État, il y a une femme dedans. Oh. Je n'ai pas envie de parler trop. Je n'aurais pas trop sorti des révélations. Priez ça. Voilà que Dieu bénisse. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous recevoir. Vous savez, quand vous faites un programme pour venir voir le prophète va plus maintenant vous donner des choses à faire. Quand on vient ici, on laisse le prophète nous orienter. C'est le prophète qui devient guide. Alors tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous recevoir selon l'Esprit de Dieu. Si je dis, j'ai pris pour toi, j'ai prié. Si je dis, fais ça, c'est ce que tu dois faire. Le prophète est un guide spirituel. Donc on aura tout à l'heure l'occasion. Mais en même temps, 20h, j'ai un grand programme. Je serai obligé, c'est une obligation demain de recevoir. Demain, c'est une journée hors pour moi. Mais demain, c'est une obligation pour moi de recevoir. Je dois recevoir demain et à tout aller toute cette semaine. Je devais partir à Dijon, mais finalement, je ne vais pas à Dijon. Parce que je sens qu'il y a des gens qui sont venus de très loin. Qu'on doit aider. Voilà, donc, la grâce de Dieu. Donc, on aura le temps de vous aider. Cette semaine, je ne vais pas bouger. Je vais envoyer certaines personnes à Dijon pour aider cette chose. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. On ferme les yeux. Je vais demander aux frères. Ouais, c'est un frère de Zaroko, merci, parce que toi au moins, tu nous soutiens, c'est bon. Ouais, c'est un frère, le pasteur, tu vas prier le Seigneur. En même temps, tu fais partie du comité d'organisation. Pour quelque chose de football, on aura tout à l'heure l'occasion de parler de ça. Voilà, il faudrait que la région soit évangélisée. Il faut qu'il y ait un grand réveil spirituel. Voilà, nous apprêtons un grand réveil. Quand il va avoir un grand réveil, le diable, ce qu'il a volé, va restituer. Parce que là où il y a le réveil, il y a la prospérité. Là où il y a le réveil spirituel, il y a l'abondance et la grâce de Dieu. Les femmes ont commencé à se marier. Vos régions, là, il y a trop de femmes célibataires. Elles sont aigries jusqu'à faire sorcellerie. Donc, il faut que Dieu bénisse cette région. C'est une région minière. Dieu ne donne pas l'or à une région comme ça. C'est parce que vous êtes précieux. C'est pour ça que Dieu vous a donné l'or. Voilà, donc il faut faire cette révélation-là. Que l'or que Dieu vous a donné, là, ça ne partait pas au diable. C'est pour que vous puissiez manger ça. Et c'est d'autres personnes qui bouffent. Chaque jour, c'est des milliards qui s'en vont. Heureusement que nos prières ont fait qu'aujourd'hui, ils vont faire la roue du Doko. Ça a gâté plus de 4 fois ma voiture. Que Dieu nous aide. On ferme les yeux. Le frère va prier, le pasteur. Avant de prier, je voudrais dire merci au prophète. Et lui dire vraiment de pardonner toutes les incompréhensions qu'il a eues sur toi, Zaroko. Oui, je sais que vous avez pardonné, mais vous le permettez. Je voudrais que je le dise de façon solennelle devant tout le monde. Et qu'il se souvienne du comportement d'Abigaël devant le roi David. Naboth avait eu un comportement qui n'avait été bon, mais lorsque David a décidé d'aller détruire ce que Naboth avait eu à faire, très tôt, Abigaël s'est levée et Abigaël est partie se prosterner devant David. Et David lui a dit, femme, tu es vraiment une femme vertueuse. T'es une femme vertueuse. Que le prophète se souvienne de ça et qu'il pardonne toutes les incompréhensions. Mais je suis aussi fort content du fait que ceci se passe là, c'est pour la gloire de Dieu. Le prophète sait qu'il a pardonné. Il a pardonné. Mais la Bible déclare que Jésus avait dit à la foule, surtout aux gens de Béthanie, non pas à cause de ce que Dieu ne m'exauce pas, mais c'est à cause de cette foule.
toutes les incompréhensions qu'il a eues quand même à Zaroko, quand Dieu va commencer encore à élever son serviteur davantage, eux-mêmes au-delà de tout cela, ils verront et ils sauront que l'Éternel est avec lui. Amen. Que l'Éternel bénisse son serviteur et qu'il accorde toute la grâce et toute l'onction. Et qu'il soit vraiment la dimension du prophète Élie, qu'il soit la dimension du prophète Élisée. Et qu'il nous bénisse abondamment. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette rencontre solennelle, Père, que tu as béni et sanctifié de tes propres mains. Merci pour toutes les révélations, merci pour toutes les bénédictions, merci pour tout ce